Ouais, ce qu'il y a de mon pays, ce qu'il y a. Parce que ce qu'on a vu dans d'autres pays, et on voit ça chez nous, chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une joie pour nous. Parce que la CAN se vit en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes, nous tous, on voit ça. Ouais, on voit ça dans d'autres pays. Mais au Dieu, là, ça se présente chez nous. Donc on est fiers, on est fiers, on est fiers. C'est au niveau de devant maintenant qu'on doit essayer de. Si les joueurs essaient de jouer plus en harmonie avec. En faisant plus de passes, moi je pense que vraiment on va. Sinon, on a. Pour être franc, on a l'équipe qu'il faut pour gagner vraiment cette CAN. Voilà, Seko Fofana vraiment joue son rôle dans le milieu. Franck Essay également, ça va. Ça va. Au niveau de la défense, on a les défenseurs qu'il faut, mais ils doivent plus jouer avec le cœur. C'est tout. Malgré que Allaire n'a pas pu jouer, aussi à Dengra, Crasso et Seko Fofana et les autres ont fait un bon match. Malgré que l'équipe adverse était une très bonne équipe, mais c'est à cause de la performance des éléphants et de leur expérience. C'est ce qui a fait qu'on a pu avoir ce score-là. Non, le premier match avec les éléphants, on a fait d'autres efforts, puis on a montré qu'avec tout ça, c'est Côte d'Ivoire. Il y a certains joueurs qui revenaient des blessures. Donc je pense que cette CAN-là, elle promet grand et la Côte d'Ivoire remportera encore, remettra la troisième étoile sur son maillot parce que la coupe, c'est chez nous. Je pense que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est quand même à la hauteur. Hein. Elle est à la hauteur et je pense qu'on peut compter sur eux pour nous avoir ramené la coupe. Parce que parce qu'on aura la coupe. La coupe ne va pas bouger. Ça, c'est sûr, je suis sûr de ça. La coupe ne bougera pas. J'ai confiance en mon pays et j'ai confiance aux éléphants.